Nouvelle session d'information na RDC Monde TV chaîne Nabino Opona pour vous informer sur Miami sur micro le Kalambo qu'on a sur la République démocratique du Congo mbote Nabino mande ko landi ya bo on a sur partout na Tony Samine Sengo ya ko bete mongo et belé pour na ko na nini o to lengi pour Nabino en termes de l'actualité mon ko mo lelo kimia ya Nzambe et o mela mbote Nabino kimia ya Nzambe za Nabino merci Nabino ba beaucoup comme la vie so merci de recevoir sur ma remarque hein quand ça va ou quand ça ne va pas na autre problème quoi actualité bon comme la kabiso pour to améliorer lengi aussi Nabino Sala Kimia et Oumela. Merci à la France, Allemagne, Belgique, Canada, Tunisie. Il y a quatre coins en monde où on a mis sur RDC Monde TV pour s'informer. Merci à ma maman Bonio sur RDC Monde. Oyo Bakamba Bongo et pas à maman Pauline Lumumba. Mbote Nabino, Mbote Napa Pegui. Mbote Nabato Bonsoba pour Nabiso pour s'informer. Passons aux actualités. Passer de 10 à 14 milliards de dollars télé. Le budget. Il y a la République démocratique du Congo pour l'exercice 2023. C'était là par rapport à la présentation à la loi de finances exercice 2023. Au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel, après un bongo dans le Parlement, c'est parmi les grandes actualités qui dominent. Actuellement, dans la République démocratique du Congo, il y a budget et na mon ambassadeur Jean-Michel Samalukonde Kenge en tant que chef du gouvernement conformément à la constitution atalisi le lengi kani mbongo na ekozoma et c'est le kani chaque secteur ya mboka na biso ekosai la bongo motango ya mbongo x y o batier par rapport ya budget et na 14 milliards puis atalisi le kani république et récolter bongo motango ya mbongo et na nous rappelons ici sur ces plateaux c'est pour la première fois depuis la République démocratique du Congo ezala Congo et réaliser budget à Motango Ena à 14 milliards de dollars pour que le secteur de Suyambo est un bongo malamou. C'était comme j'avais dit hier dans les émissions de Kolmalobi et que ça épreuve que ça a la paix de différence. Tu peux que le gouvernement, il y a Warriors dans Tchakaboué parce que Warriors est un bongo qui est sur le terrain. Il y a des défaillances au ministre, il y a gouvernement, il y a un secteur moi et Billy. Mais na proposition de loi de finances sur 2023 et c'est vraiment différence hein? On est congolais ils ont raté que le Bamabe ceux qui ont mal à moi il faut aussi que le Belengo et depuis que le Congo a été Congo comme je l'avais dit on n'a jamais réalisé montant où il y a budget à Bongo il y a 14 milliards et c'était parmi et bah réalisation au Congo le Belengo c'est là pour faire la différence hein autre fois d'ailleurs bah shit ma budget mais qui suko et Mati et parmi bah budget parmi mission le gouvernement est allé ici loin quand il repartit Mbongo et axé Makas Zaki sur le plan de défense na intérieur donc bref sécurité à Mboka et Motango Moko ya Mamalonga et Tiamaki Nangambu et na question juste il y a quoi améliorer système de fer il y a armée Nabiso pour les police Nabiso et puis premier ministre à la qui n'a opinion que il faut ajout il y a bas éléments la force armée il faut ajout na bas éléments dans la police et avec budget oh, le gouvernement tient en place n'est qu'on permet de bango mimi somina et ça mabongo malam on va aussi parler des sujets sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo oh yo et peuple makamupe ya motuya et kobima ena commandant et à région militaire oh y a remplacé qui bon général y a venu commander sur terrain va découvrir makamuya oh yo ça va congolais moi pas si ok makamuya ça va congolais moi pas si parce que y a eu dépôt d'armes oh, bah, il m'a pinga FRDC. Bazaki Nengo, na manouki, na ba munition, Bazaki Roussel. D'ailleurs, ce sont des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Et ça, il me pas si. À chaque fois qu'on décriait ici, Kotoyo, na est, bambila, la mission, la fois qu'on va dire, on me dit pourquoi il faut les équiper alors qu'il y avait vraiment des équipements. Il y avait vraiment d'armement. Mais ce n'était pas utilisé. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé un côté? Pourquoi est-ce que juste tant que on a un soukoli, axe, on a un bongo? Est-ce que Boulogne Mboko peut les aller? On va y parler au cours de cette analyse. Merci d'être là pour s'informer. La chaîne Nabino RDC Monde TV. On va parler de ça. On va parler de ça. Parce que chaque fois, on décrit Awa. Et ça montre suffisant que la 4e armée Nabiso, Badongo le Miso Bazali. Revenons d'abord à l'Assemblée nationale. Le coin de la sommaire. Le chef du gouvernement Jean-Michel, le Salon de Kenge, a présenté le budget. Budget Wana, Batangue Lunkani Bokuzuango. Budget, on va tenir un temps, il va repartir dans le secteur presque nous. Est-ce que on a tenu compte? Il y a des recommandations, des revendications, il va tenir sur cela qui avant, là qui ça va enseignant, là qui ça va magistrat,
et aussi et le royaume tué na bijon les alliés batali beaucoup plus miemitali bongo est-ce que sécuritaire ya mboka na biso batali beaucoup plus comment renforcer ba imampinga comment soutenir ba imampinga na motango ya mbongo ya malonga comment améliorer aussi la manière de faire même la manière de vivre ya ba policiers na ba FARDC par rapport aux enjeux de l'air. D'abord, avant de vous montrer l'allocution du chef du gouvernement Jean-Michel Samba Lokonde le Lokola, la raquette bino que tu as là, na pona, copé sa bino information, ana na bozido. Totalement ambiance sur laquelle on a parlement. Et bayimbo ko to son médecin qui m'a cassé bango to sur laquelle bango par rapport, il y a importance, il y a journée, il y a journée et na il y a présentation à loi des finances exercice 2023 bango il y a budget à mbo kanabiso. Totalement on peut se retrouver juste après. Nous sommes hier en Parlement aujourd'hui, je crois que c'est vendredi le 28 octobre 2022. Nous sommes venus soutenir le gouvernement, il y a le gouvernement Nabiso Yamboka, où ils ont dirigé le Premier ministre Samba Lokonde. Nous sommes partis à son Excellence, l'autorité morale, le ministre d'État, l'Excellence Pius Mabilo. Nous sommes Congrès national congolais. Mais il y a plusieurs partis politiques, où ils ont fait partie du gouvernement. On est venu soutenir le Premier ministre, où ils ont fait le Parlement pour déposer le budget. Budget année aux Zogoya, année 2023. Budget va déposer en haut, bien avant la session en décembre dans le Parlement. Bazo déposer en haut. Après, les députés vont être là, ceux qui vont apprécier en haut, ceux qui ont un remarque qui va être sali, va corriger. Et puis, et l'équipe va voter en haut pour l'année prochaine. En fait, nous sommes là, mobilisés aujourd'hui comme un seul homme, ici à Kinshasa, venu pour soutenir le camarade. Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samba Lokonde Kenge, qui imprime la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, tout Kinshasa bouge, tout Kinshasa est en ébullition, c'est comme ça que vous nous voyez, nous avons mobilisé des milliers et des milliers de gens pour être aujourd'hui derrière le Premier ministre Samba Lokonde Kenge, qui est le tout premier Premier ministre qui a eu à réaliser un budget qui ne s'est jamais réalisé en République démocratique du Congo. Pour la toute première fois, un Premier ministre qui trouve le budget à 4 milliards, il le rend à 10 milliards et aujourd'hui le budget est à 14 milliards de dollars. C'est une première en République démocratique du Congo qui mérite qu'il soit beaucoup ovationné aujourd'hui, pas seulement par les députés nationaux de la majorité de l'Union sacrée de la nation, mais aussi les députés de l'opposition doivent ovationner aujourd'hui le Premier ministre Samba Lokonde Kenge. C'est comme ça qu'ensemble avec ma fondation Cœur des Lions Kashita, ici à Kinshasa, nous sommes derrière le Premier ministre aujourd'hui devant le Palais du Peuple. C'était là l'ambiance qui avait régné juste avant plénière. Hein, plénière, il y a le Premier ministre, chef du gouvernement, Ayaki, l'Assemblée nationale, il y a un peu de temps, il y a loi suprême, il y a la constitution, il y a une réalité. Après, année au Kénégo, si là, bah, évaluer la réduction des comptes. Il y a exercice, il y a né aussi là, ni basaki dans mon temps, il y a Mosolo, il y a Mboka, malgré tout, il y a eu des points importants, honorable Nsingi pour la relever, qui va tirer qu'on fait en quantité, et malgré le rôle à l'Ubika, il y a mon corps sans pourtant, va tirer attention, pas mon vidéo et salamaki, n'a pas sur fracturation, n'a pas mis ça dans le secteur, il y a infrastructure, hein, surtout il y a ITP. Il y a Mboka Nabiso, on n'a pas tenu compte de ça, alors qu'il y a Mboka Moutouya, et nous aussi, on va aussi marteler sur. Exercice, il y a les présentations des lois, exercice, les lois finances, il y a les lois de finances, exercice 2023, oh yo, pour que Mio le Kina, année haute, vous allez, et à 2023. Bandela, Misala, oh l'État, vous allez ça. Et c'est la conformité, bon, on va tirer, et non, il y a le cas. Et non, il y a après Moula, oh, il y a un qui le quoi, tout le monde a dit, il y a route Nzolana, honorable Tsing, il y a un dénoncé,
Ce sont des histoires qui ne vont pas vraiment l'image de notre pays. Qu'est-ce que le chef du gouvernement avait dit, Jean-Michel Samalukonde Kenge, devant les élus par rapport à la présentation des lois de finances et aussi 2023, budget que vous présentez, Bango, au bas débat qui lobby, mini ou y a le bas qui pour expliquer aux élus du peuple et aussi à l'opinion par rapport, il y a des gens qui ont eu l'ambon ou y'a, mini ou y'a l'ambon ou y'a. Tout l'anda. L'allocution du chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge, et puis on se retrouve tout juste après. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, dans mon allocution de ce jour sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2023, j'ai abordé successivement les points ci-après. 1. L'état d'exécution du budget en cours au premier semestre. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant la préfiguration du budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires y relatifs. 4. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement, conformément aux différents engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. Aussi, le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'est du pays. Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à COVID-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Concernant le financement de la politique du gouvernement, celui-ci entend mettre l'accent sur la promotion de la culture fiscale, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale et douanière déjà amorcée, la digitalisation des administrations financières, ainsi que les missions de contrôle, de gestion, en vue de relever la pression fiscale vers le niveau de 17,6% en moyenne de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, il sied de noter que globalement, les critères quantitatifs ont été respectés, à savoir notamment le solde budgétaire intérieur situé à 0,8%, le PIB et les rémunérations représentant 5% du PIB. Honorables députés, représentants légitimes de notre peuple, en me présentant ici devant votre auguste chambre, je suis pleinement conscient de la gravité de l'heure et des enjeux en interaction dans notre pays. Je suis conscient de la crise sociale que traversent plusieurs ménages congolais présentement. Je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale. Je suis conscient qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales, de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif
d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix. Je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, ainsi que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Face à ces défis systémiques et existentiels, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler, au-delà de nos divergences politiques, en vue d'y réserver des réponses patriotiques, robustes et justes, qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. Il est des moments, dans la marche d'une nation, où certains enjeux dépassent les clivages politiques. Il est également des moments où le rassemblement cesse d'être une option. Voilà, c'était là le chef du gouvernement qui parlait par rapport à budget à Mboka Oya qui vous présentait. Ba kelimibeko, nini oyo, ba kosala na yango, et puis pa yu nini, ba kozwa yango. Sur ce point, je veux juste soumettre une préoccupation par rapport à Mboka Oya. Lors de l'examen et de la révision des comptes et exercice 2022, on aura bien pour nous la relève qui va Makamoumoua Miike. On a le bien juste après que le yé Koloba. On peut même qui peut épingler en haut. C'est une histoire qui n'était pas beau à voir. Le budget en Mboka, la mienne de l'infrastructure, la mienne de la travaux publics, bâtier mon temps au moko X. Tant que je suis en Mboka, et bimi Y. Mais dans le temps Y, dans l'année Z, et au Salema, dans l'année B. Cela veut dire, le gouvernement de Misambo, en 2021, Misala et Kobanda, au Salema, Misala et Kobanda, n'a fait, il y a 2022. Et à la question qu'on a posée au président de l'Assemblée basse du Parlement, et pas il y a, on aura Metsing Ipoulou, c'était Monsieur le Président. Êtes-vous sûr que mon gouvernement a mis ça qui en 2021, il fallait que la fin 2022. Et l'honorable Mbo a voulu défendre, nous tous nous connaissons ce qu'a été la réaction. Il y a un mot qui pour nous en lui disant Mbo que Pessi a déjà nié son. Il a Pessi Mbo, il a été côté de la côté la raté. Est-ce que le budget 2023, mon temps où il y a un dans le secteur presque nié son, il y a un mot qui est est-ce que c'est un temps réel? Est-ce que c'est un temps réel? Tout ça, c'est pour éviter ce qui s'est passé dans l'année où tu es. Et c'est un temps réel. Et c'est un temps réel pour que les gens ne soient pas mis en place. Je vais vous poser un rythme. Je vais vous dire que c'est un temps réel. Et puis, tant que vous avez un temps réel, vous avez un temps réel. Si vous avez un temps réel, vous avez un temps réel pour attendre encore. Et là, vous avez un temps réel. Alors pourquoi pas aussi communiquer à l'opinion que vu ça, 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 on fait ça, 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 ça. C'est très important. J'ai tenu à féliciter notre gouvernement pour les efforts conjugués en termes d'accroissement des recettes. Aujourd'hui, nous atteignons pour la toute première fois, et c'est d'une manière spectaculaire, 14,6 milliards. Donc, dans ce pays, on ne croyait pas qu'on pouvait atteindre même 6 milliards de recettes propres. Aujourd'hui, on est à ce point-là. Le gouvernement mérite d'être sincèrement félicité. Le sens de mon intervention est d'abord, justement, d'apprécier à sa juste valeur l'augmentation du budget de l'État, hein, qui s'évalue à 14 milliards, virgule quelques poussières. C'est une augmentation de plus de 30%, nous saluons. Mais voici ce que j'ai dénoncé ou quelques observations que j'ai faites dans quatre domaines. Il s'agit notamment dans l'éducation, la sécurité, l'entrepreneuriat et l'emploi. En parlant de l'éducation, nous avons vu l'enseignement primaire et secondaire qu'il y a 16% du budget alloué dans ces secteurs. Mais qu'est-ce que nous voyons sur terrain? Plusieurs écoles non réhabilitées,
et plusieurs nouvelles unités qui traînent encore pour être mécanisées. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a grève des professeurs d'université pendant que le budget renseigne qu'il y a quand même un montant suffisant alloué à l'éducation. Donc, il nous faut coincer, contrôler davantage le gouvernement à ces sujets. Majorité, opposition, il y a eu plus de propositions que de critiques. L'opposition qui, même à un moment, est sortie de la salle, ils se sont rendus compte que ça ne valait pas la peine, ils sont rentrés dans la salle. Nous avons pris parole par motion d'ordre et cette motion a été soutenue par un membre de l'opposition. C'est comme pour dire que nous étions tous d'accord. À ce jour, c'est pour la toute première fois dans l'histoire que la République démocratique du Congo réalise un tel budget, d'où je ne vois pas l'opportunité de critiquer. Je ne vois même pas comment on ne peut pas être d'accord. Aujourd'hui, nous avons tous été satisfaits par la présentation de ces budgets par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a présenté ses budgets avec brio. Les interventions des collègues, tous nous étions à la hauteur. Mais enfin, nous avons pris parole pour dire que tout a été dit. C'est très important. Il faut d'abord analyser le budget. Et en analysant, il y a eu des surfacturations. Il n'y a pas eu de suivi ou des explications claires pour éclairer l'opinion quant à ça. Raison pour laquelle nous demandons au chef du gouvernement, Jean-Michel Samba le Conde Kenge, il y a budget exercice 2023. Bokeseni ezala. Bokeseni ezala, professeur Bokeseni ezali te tomona ke non. Oyo bo bakana biso eza o busala kate. Parce qu'on peut bien bon. Nous sommes moi personnellement, tout en étant journaliste, na explication, na allocution au chef du gouvernement, vu les urgences na moni se considérer. Parce que na moment de zali, ce qui prime c'est la sécurité. Il y a territoire na biso. C'est très important. Et s'il faut mettre de l'argent à l'armée nationale et à la police, c'est aussi épargner les pays dans la bavir moi et belé. Parce que nous connaissons tous le fonctionnement. Il y a vraiment plein d'abus, le fonctionnement, il y a la police, l'abus surtout. Parce que même dans la police, si on n'arrange pas bien, la population va être toujours victime de la tracasserie, de la dérapage et belé. Et si Batali Aksuana Malamu, ça sera une très bonne chose. Le quoi Batali Siango, pour la présentation, il y a loi de finances exercice 2023. Mais est-ce que les manières, Malamu, le détournement de ça, ma katongo midi pourquoi non? C'est ça ce qui fait aussi mal à la tête du Congolais. C'était là ce que je pouvais dire par rapport à loi de finances exercice 2023 au chef du gouvernement à autre que présenter mon commandement, n'a parlement. Oui, c'est 14 milliards de dollars. Oui, c'est une somme que le Congo n'a pas encore. Présenté avant. Mais c'est le mené un peu là, malamou. Bah, défaillance, oh, bah, il va, bah, il n'a rappelé compte, n'a rien. Aujourd'hui, on a arrêté, ancien DG, il y a Snell. Oui. Bah, Kangiye. Mais c'était sur quel dossier? Mais quand il faisait ça, pourquoi est-ce que tant que vous détournez, l'État, il tient, bango. Pourquoi vous ne constatez pas ça? Et aujourd'hui, on a dans l'Albi, il y a règlement des comptes politiques. Voilà. Tant que vous avez nommé, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que. Et quand on vous arrête, si vous n'êtes pas malade, il y a un règlement des comptes. Merci de nous choisir pour s'informer. Si vous avez dit que 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 vous avez
bongo na source le col à Pandi Sango. On ne pouvait pas citer complètement l'analyse de Mokoumalelo sans pourtant parler acte sécuritaire dans la SRP Mokoumalelo du Congo. Banewanibo, on a vu ça de partout. Cette absurdité, il y a Bissa et l'ami, il y a Baï Mampinga Nabiso, beaucoup plus Batouba au Kambaka armé, Nako et la République Mokoumalelo du Congo, c'est aussi une façon de soutenir les forces négatives d'une manière ou d'une autre. Il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Oh, va cambier si quand il m'a pinga, oh, va t'indi kuna na est. Pour découvrir, et pas il m'a pinga na biso moko, mais des poids bas armes. Oh, bah c'est là na nuti ezan wana ibélé. Alors qu'on pense que chaque jour que l'armée ezan à fond. Qui gardait ça? Pourquoi est-ce qu'on gardait ça? Pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas ça? Pour que ça a découvert tant qu'on va cambier si kabaye. Alors qu'on décriait matin, midi, soir sur les soutiens au FARDC. Merci à la chef de l'État d'avoir pensé de la réforme de l'armée. Et nous demandons que ça puisse continuer, continuer. Batimola, si notre chef d'antenne va changer dans un an. Pas matin, juste quand vague et côte, il y a un changement. Nous vous signalons ici, au moment où nous parlons, dans la lune de fonds, le FARDC est à la bonne position. Où les FARDC sont à la bonne position. Bazar pendant la pollution à Malamu. Bayem 23. Bazar vraiment coincé. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Bazar la coincé? C'est les FARDC qui ont travaillé. C'est toujours les mêmes FARDC qui dirigeaient les bateaux. Vaner Koko ça va Moussa Malamu. Téton me dit pourquoi. Autrefois, dans le Béla Kango, Awa la plateau Oyo. Sur un ordre mal donné au Sarake, Bayem a pingé la bise au Mabet et la Massassi. C'est toujours les dirigeants. Il y a Baïma Pinga Mnangakoyona, il va retenir la confusion. Merci au chef de l'État d'avoir pensé de faire une réforme pour que tout soit cambié à Sika. La tête, il y a armé, le général Christian Chiwewe, il y a un collègue, il y a Sika. Pour que ça soit un peu de différence. Tout ça, on n'y a pas de quitter. Mais tout le monde, il y a une défense, il y a une attente, il y a une prédécesseur, il y a une salaki. Parce que nous avons besoin de la paix. Donc là, aux États-Unis, on décrit, on me dit pourquoi. Au président, on dit que non, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes et de se désolidariser au M23, sans pourtant sanctionner le Rwanda, parce que ça fait maintenant un temps depuis Rwanda, ça en la tête, il n'y a pas retour. Ça veut dire que c'est la démocratie du Congo. Une réaction hypocrite. Merci à la population de l'Est qui reste très dynamique, qui reste toujours en collaboration avec Bakambia Baïma Pinga, avec ma service à l'État pour dénoncer tout mouvement. Et surtout un grand merci à la société civile, à Routchouro, à la tête, on me dit pourquoi. N'a pas éveillé, pour réveiller l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur tout mouvement suspect. Merci. C'est ça, l'esprit patriotique. Merci pour s'informer de ce qui est derrière l'actualité sur le Congo, comme sur le Congo. Question de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe pour être mimis, mais les camarades, tout ce qui est congolais, tout ce qui est congolais, dans l'esprit congolais pour que le Congo soit et qu'il y malamou haine. Ils en ont ici, on parle politique, mais on parle pays. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas jusqu'à ce niveau? Oh, ceux qui vont dire ça, malamou, pour une école, je suis pas tout faire. C'est pas bien. Votre camarade, qui m'a dit, vous m'avez dit, vous m'avez Na bengi bino nyoso bandeko nanga nyoso ya diaspora boya to tonga mboka na biso Congo. To sala lokola ba diaspora ya bamboka mususu basangana ka bazo tonga mboka na bango. Biso pe soki to miti ensemble na 10 francs na ngai na 10 francs ya ndeko na 10 francs na yo soki to sangisi biso nyoso to koki ko tonga mboka na biso. Ndenge to lobaka epai na biso ete mosapi moko esokolaka elongite boya bandeko nanga boya. Bo ezitete, toye biete, to bimana kashia mabete, ba kongole, ba sangana rate, me set fwasi, bo salabiso konfians, bo benga mama, Pauline Lumumba, na Genève, bo ya toto nga bande konangaye, toto nga mboka na biso Congo, le Congo a besoin de nous.
C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. À la banque actuellement, nous avons 59 168 000. Alors mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.